bonjour tout le monde. Donc, une petite vidéo toute simple cet après-midi pour faire des sprays. Donc, on a des super bouteilles réutilisables chez doTERRA pour faire des petits sprays d'ambiance. Donc, c'est pas très compliqué. Ça nous prend de l'eau et des huiles essentielles. Donc, vraiment pas compliqué. Là, on peut avoir des sprays d'ambiance. Aujourd'hui, avec vous, je vais faire un spray à literie. Donc, il y en a là, qui achètent ça en grande surface, là, des sprays pour désodoriser soit les rideaux, les fauteuils, les douillettes. Donc, moi, j'en ai fait un. Je veux en faire un, dans le fond, avec vous, spécifiquement pour tout ce qui est microbes, mauvaises odeurs qu'on a là, dans les literies. Okay? Donc, c'est super simple à faire. Le mélange que je vais faire aujourd'hui avec vous, ça va être lavande, eucalyptus et menthe poivrée. Pourquoi? Parce que la lavande et l'eucalyptus sont vraiment bons là, contre tous les insectes nuisibles. Donc, on va aider là, à garder notre maison vraiment saine. La lavande va aussi avoir une odeur très agréable, relaxante. La menthe poivrée, un énergisant. Donc, on va vraiment aller chercher un bel équilibre. Puis avec l'eucalyptus, ben, ça va nous aider là, à avoir vraiment une odeur rafraîchissante et qui va nous aider sur le plan de la respiration. Donc, comment on fait? C'est super simple. Donc, les petites bouteilles là, se dévissent très facilement. Donc, ma recette aujourd'hui, on met dans ces brumisateurs-là entre 20 et 40 gouttes d'huile essentielle. Donc, moi, je vais y aller avec 30 gouttes, donc 10 de chacune. Donc, c'est pas si grave là, s'il tombe quelques gouttes supplémentaires. Et la menthe poivrée. Et voilà. Et ensuite, tout simplement, avoir fait préalablement bouillir de l'eau et l'avoir laissé tiédir. Donc, c'est ce que j'ai fait plus tôt aujourd'hui. Et là, on a simplement à remplir la bouteille. Donc, les bouteilles en rentrent quand même une bonne quantité dedans. On n'est pas obligé de les faire pleines. Donc, voyez-vous, là, j'ai mis de l'eau environ jusqu'ici aux trois quarts. Pour vraiment le laisser de l'espace là, quand je vais mettre mon petit couvert. Et là, simplement à brasser et à vaporiser là, sur les draps ou les douillettes, les fauteuils, les rideaux, ce que vous voulez. Donc, c'est la même chose pour les sprays d'ambiance. On choisit notre odeur, 20 à 40 gouttes, avec de l'eau préalablement bouillie et tiédie. Et on brasse avant usage et on a une magnifique petite brume. Donc, c'est vraiment génial, super écologique, très économique, surtout quand on a déjà des huiles à la maison. Donc, amusez-vous, puis j'espère que cette petite vidéo va vous avoir plu. Bonne journée!